Monté Galaxy, bienvenue aujourd'hui sur NFS Payback. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ça va Castagner. Je vous ai la forme, moi je vais super bien, mais c'est parti pour chercher aujourd'hui les épaves. Effectivement, il nous en reste 3. Pourquoi le capot se lève? Il en reste 3, donc il nous reste, il me semble, une Volkswagen et 2 Chevrolet. On avait trouvé déjà la Nissan Fairlady. Nous avions trouvé également la Ford Mustang de 65. D'ailleurs, il n'y a plus aucun moyen que je mette la main dessus. Ah oui, je suis allé chercher au garage, je ne la retrouve plus. Je ne sais pas pourquoi, bref. Donc, nous avons cherché la Volkswagen. Alors, on doit commencer, je vous rappelle, pour les épaves, il faut trouver le châssis et ensuite on trouve toutes les pièces qui sont effectivement un petit peu partout sur la carte. Donc directement zoom indice et épinglé sur la carte. Alors regardez à quoi ça ressemble. Donc là on va chercher un endroit comme ceci. Attends, vas-y, recheck moi le truc. Alors pour info, j'ai regardé exactement où il était où était l'emplacement en tout cas de ce châssis, histoire en tout cas au moins pour le début de la vidéo de ne pas être perdu. Mais vous en faites pas après, ça va être vraiment une pure découverte des recherches de châssis. Voilà, et même des pièces, hein. Je ne connais pas l'emplacement des pièces vu que je n'ai encore pas trouvé le châssis. Forcément c'est logique. Allez, donc zoom indice épinglé sur la carte. Alors celui-ci, j'ai regardé exactement où il était. Ah oui, parce que je vais pas vous mentir quand même, ce serait méchant. Donc non, apparemment il me semble par ici. Alors attendez que je retrouve. Hein. C'est peut-être le mec qui a déjà oublié, pourtant il a regardé juste avant la vidéo, mais tu sais, mais tout va bien, mais oui. Alors attends. Ouais, il y avait le truc là, voilà, ici. Là on retrouve, tu vois, le petit en bas, il me semble. Ah oui, ça correspond en fait à la route principale. Voilà, ça correspond à la route principale. Là tu as le teuteux en bas. Donc du coup, ça va se trouver ici. Il me semble, non, ou alors, attends, que je sois sûr, attends que je sois bien sûr de moi là, parce que peut-être que je dis de la merde, ah non, mais oui, il y avait le teuteux par là, ça c'est ce que je disais, il y avait le teuteux par ici, donc là, tu remontes comme ceci, tac, 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 t'as une petite pointe, et normalement c'est une deuxième pointe, c'est par là, voilà, normalement c'est par ici, donc, on va pointer directement là, normalement, je dis bien normalement. Par contre on est relativement loin, donc si possible qu'on puisse se téléporter. Ouais, heureusement il y a un petit atelier ici, donc aujourd'hui vraiment c'est de la recherche, hein, vous l'avez compris, c'est pour les épaves. Alors vous me dites si vous avez des idées, hein, par rapport à d'autres vidéos bonus, hein, qu'on pourrait faire effectivement sur NFS Payback. Alors pour info, par rapport à The Run, messieurs, ladies and gentlemen, il y aura, en fait je vais intervertir, hein, un coup Payback, un coup The Run. Alors c'est vrai que The Run c'est plus simple, vu que c'est les épisodes sur le principal, sur l'histoire, donc forcément c'est facile à tourner. Là pour du Payback, et bah écoutez, ça fait combien, 2-3 jours que j'ai pas fait du Payback, pour la simple bonne raison bah que c'est du secondaire, et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à vous montrer, c'est ça aussi, j'ai pas envie de vous montrer, vous faire une vidéo juste pour faire une vidéo, tu vois, non, pour faire une vidéo parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à montrer, sinon autant ne rien faire du tout, voilà, tu vois. Donc effectivement, je testerai les activités, je testerai de rechercher, ah bah tiens, on a déjà apparemment le véhicule, donc où est-il ce salopio? Alors, attends, on y est déjà? Ah ouais, d'accord, donc normalement, si je me fie à ce que j'avais vu, c'était vraiment placé. Attends, on re-regarde du coup sur le dessin. Ouais, mais non, c'était par là. J'entends plus de bruit. Ok. Donc moi, je dirais, j'entends le bruit par là. Ouais, il est là, voilà. J'ai trouvé le châssis. Nice. Et ouais, faut écouter avec ses oreilles. En même temps, tu vas pas écouter avec ton pif, hein, excuse-moi. Non, mais vraiment, il faut écouter parce que le son, parfois, il est à droite, il est à gauche, tu vois. Il faut vraiment bien être attentif, effectivement, pour... trouver les pièces, le châssis et ainsi de suite. Donc trouvez toutes les pièces pour faire démarrer votre épave. J'ai compris. Ah, une Beatle des 60s. Oh yes, une new Beatle. Ah non, c'est pas une new, c'est une Beatle justement, c'est une ancienne. Bon, eh ben on est reparti sur la carte. Nous allons directement chercher le reste des pièces. Donc il y en a 4 à trouver. Voilà, et ça par contre, je ne connais pas du tout l'emplacement. Alors, on va commencer par celui-là par exemple. Alors apparemment, ouais, route principale avec beaucoup de virolo. Alors attends, ça représente, ouais, ça représente une route principale. Ça représente pas un fleuve ou quoi, parce que vous savez qu'il y a un fleuve effectivement ou une rivière, hein, je sais pas ce que c'est, qui passe en plein milieu. Donc, alors apparemment, il y a plein de virolo. Donc ce serait peut-être par ici, non? Parce que ça, c'est un endroit où il y a beaucoup de virolo. Alors, est-ce que c'est pas ici ça? Si, on dirait, hein. On dirait. Donc, moi, je pense que c'est par là. Ouais. Là, on est bien. Je pense qu'on est pas mal, franchement. Alors, attends. Je vais placer le truc là. Ah, bah, en plus, on est juste à côté. Bah, c'est magnifique. Parfait. Ah, bah, peut-être qu'ils ont bien calculé le coup pour que je puisse faire une vidéo propre, tu vois, qui se suit. C'est pas impossible. Non, parce que souvent, c'est vrai que les épaves, au niveau des pièces à trouver, il y en a un peu partout sur la map et c'est galère. Il faut aller partout. Donc là, ça va. Pour l'instant, ça suit et ça fait plaisir. Donc, allez, on y va directement. Alors, vous l'avez compris, pas de coupure en cette vidéo. Logiquement, on va débloquer assez de garages, assez de stations service, etc. pour ne pas pouvoir se... Enfin, pour éviter
de se téléporter, comme ça au moins on fait vraiment une vidéo full, ce qui me fait moins de boulot au montage. Pardon, mais c'est vrai en plus, sans déconner c'est vrai. Non parce que alors pour vous avouer tout, c'est vrai que ça fait quelques semaines que je suis en sous-régime un petit peu, ça veut dire que je sors beaucoup de vidéos, vous allez me dire, bah pas plus que d'habitude. Oui mais si en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de montage, plus de cuts à faire, les vidéos sont longues, faut monter en level, il y a beaucoup de trucs à faire, donc alors je dis pas que c'est dur, attention, mais c'est un peu plus fatigant que d'habitude et du coup c'est vrai que parfois je me surmène un peu. Alors, il est là-haut, faut trouver une rampe. Il faut effectivement trouver une rampe. Donc là ça va un peu mieux depuis quelques jours parce que justement je me calme niveau vidéo. Alors attends. Ah, y a un truc là aussi, non? Là-haut. Alors la question est, comment trouver la rampe? Où est la rampe? C'est pas où est la taupe, c'est où est la rampe. Ah mais il est là carrément. Ouais, d'accord. Ok. Bon, et bon on va essayer de trouver cette foutue rampe qui doit être. Qui doit être pas trop loin. Normalement, moi je pense qu'elle est. Bah je sais pas où elle est. Pff. Alors attends. Mais comment faire? Mais comment faire pour trouver la rampe? T'as pas un hélicoptère? C'est bien qu'on ait une vue hélico en vrai. Tu vois? Alors attends. Il y aura pas une rampe de l'autre côté parce que parfois ça peut être carrément de l'autre côté. On va chercher. Des fois ça peut être par là, tu sais. On peut te mettre des conneries de rampe. Bon non, on peut pas y aller. Bon, en fait le jeu il est simple parce que tu peux pas réellement faire du tout terrain comme tu. Comme dans un Forza Horizon. C'est pas aussi, aussi libre. Donc, laisse-moi tourner autour. Je sais pas où est cette foutue rampe, hein, franchement. D'habitude, j'ai toujours trouvé hein, pour les pièces, hein, sans vous mentir. Alors là, je sèche. Ah. Voilà, peut-être monter par ici. Peut-être que là, on a trouvé. Mais j'avoue que je sèche là, par contre, sur le machin. C'est pas une rampe, ça? Tiens, regarde. Voilà. Oh là là, fils de. Je pense qu'on a trouvé. Attends, mais non, mais c'est pas pile poil en face. Si, mais je suis sûr que ça mène là-bas. Je suis sûr que ça mène au bon endroit, bah, regardez. Je pense qu'on va trouver la rampe là, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est dur de retrouver les rampes des fois. Alors attends. Vas-y, par contre, roule ma poule. Si c'est bien. Attends, si c'est bien là, je vais le marquer quand même. Ouais, mais c'est obligé. C'est obligé. C'est pour accéder en face. Vas-y, attends, je mets le logo là. On y va. Allez, fonce ma poule. Sûr que c'est ça. Il peut pas y avoir 50 rampes, voilà. Pas possible. Eh oui, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Non. Heureusement que j'ai mis le pointeur. Tu vois pourquoi j'ai mis le pointeur? Dégoûté. Parce que cette magnifique Aston Martin Vulcan a trop de puissance. C'est pour ça. Non, encore trop loin. Oh non. Mais c'est pas possible. Encore trop loin. Mais c'est pas possible. Mais Galax, mais nom de Dieu. Oh non. Et là tu vas me dire que c'est pas assez. La blague. Ah putain. Ah mais non. Mais c'est pas possible. Non mais ça continue. Mais oh mon Dieu. Pas trop vite. Là c'est bon je pense, là on est bon. Arrête-toi. Oui, mais qu'est-ce que c'est chaud pour y aller dessus. Oh là 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 là. Allez, récupérer pièce d'épave, oh mon dieu. Oh mon dieu, le temps pour effectivement arriver à bon port. Alors, pièce suivante. Oh, ils m'ont fait suer, c'était terrible. Ok, ensuite. Incroyable, deuxième partie. Donc on avait regardé, c'était laquelle? C'était celle-là qu'on avait regardé je crois. Non, on l'avait regardé encore. Alors, on va l'épingler. Donc, un endroit où il y a une sorte de queue de cochon. Enfin, si on peut appeler ça une queue de cochon. Alors, waouh, comment c'est foutu cet engin. Donc, alors, attends, c'est des routes principales, normalement. Hein. Sérieusement, c'est des routes principales, ça? Il y a vraiment des routes principales comme ça? Non. C'est bizarre, ça. Ah, c'est pas par là, par... Bah non, je pense pas que c'est par là. Oh, parce que moi... Ah, c'est là, regardez. Il me semble, hein. Il me semble c'est là. Ouais. Mais c'est pas des routes principales. Pourquoi ils mettent ça comme des routes principales? C'est moche ce que vous dites là. Vous mentez en plus. Vous mentez aux téléspectateurs, aux joueurs. Alors bah écoutez, je vais aller ici parce qu'apparemment je pense qu'effectivement c'est là. Donc on va pointer. On va le mettre. Attendez, on va le mettre là. C'est à peu près par là. Hein. On se met d'accord là-dessus. Bim. Et on a un garage en plus, c'est gratos. Magnifique. Je me téléporte là. Ça va aller vite. C'est gratos. Bon, même si c'était pas gratos, honnêtement, je me serais téléporté quand même. Parce que vu l'argent que j'ai, y a pas de problème, quoi. Je suis riche à vie. Attends, je passe par là. C'est à 1 km, 1,100, donc 1100 mètres. Hop, oh, ce beau soleil couchant. C'est magnifique. Ce que j'aime bien dans ce jeu aussi, comme je vous le disais, c'est un Need for Speed qui a le cycle jour-nuit. Donc ça, franchement, c'est super sympa.
l'une des choses qui me fait plaisir dans le jeu, quoi. Alors, faut passer par le pont, j'aurais pu faire un petit peu de tout terrain. Alors, je vous l'ai pas dit, mais cette voiture, elle est spécialisée drift. Voilà, alors pourquoi avoir spécialisé mon Aston Martin, donc qui est ma voiture la plus puissante du jeu, hein, niveau 394. Pourquoi l'avoir spécialisé drift? Parce que pour moi, c'est la conduite la plus agréable dans le jeu, clairement. Et c'est le plus gros intérêt du jeu en termes de gameplay, c'est le drift. Voilà, donc du coup, effectivement, je suis très content de cette voiture. Et franchement, c'est vrai que le gameplay du jeu, avec une voiture drift, là, on l'apprécie à 300%. Sans déconner, c'est le point fort du jeu de drift. Quand tu le maîtrises et quand tu as une voiture qui est effectivement type drift, bah, franchement, c'est super fun, c'est super classe, quoi. Franchement. Bon, du coup, je vous aurais coté hein, la voiture d'avant, enfin, la pièce d'avant un petit peu. Je vous ai montré juste le bon atterrissage. Bon, sauf le premier qui était mauvais. Mais parce que, franchement, j'ai eu besoin de combien, au moins 10 essais, ou ouais, une dizaine, pour atterrir effectivement correctement sur la plateforme. Non mais c'est hallucinant quand même. C'est hallucinant le nombre de fois qu'on doit essayer pour y arriver. Mais en même temps, voilà, si je vous code pas, vous avez 5-6 minutes de flottement où j'essaye de sauter sur une rampe, sur un machin, quoi. Donc voilà, c'est chiant à mourir, quoi. Allez, bon, on y va. Donc là, c'est les fameuses routes, effectivement. C'est bien sinueuse et tout à la con. Oula, oula, oula. Donc là, bientôt de nuit, messieurs, un petit peu. Ambiance underground. Qu'est-ce que j'aimerais, sans déconner, qu'il nous ressorte un... Alors, j'allais dire un vrai Need for Speed. Qui suis-je pour dire si c'est un vrai ou un faux? Mais un vrai Need for Speed underground. Voilà, vous allez me dire, oh, mais celui de 2015, c'est un petit peu comme underground. Ouais. Mais un qui ressemble un peu plus, tu vois, avec du drag et tout. Avec du vrai drag. Parce que d'ailleurs, la drag, et c'est vrai qu'il y en a qui ont été déçus dans ce jeu, la drag dans ce jeu, elle est clairement sous-exploitée. Parce qu'en plus, elle est pas dégueulasse. Alors, c'est pas aussi bon qu'avant, hein. Mais elle est pas dégueu non plus. Ah, il y a un jeton là-haut, ce serait pas là-bas par hasard? Attends, je vais aller voir là-bas parce que je sens... Ah non, j'entends à gauche. Je sais pas si j'entends à gauche. Il me semble que c'est à gauche, hein. Attends, je vais descendre encore un peu. Je vais descendre, mais je l'entends à gauche, perso. Si je me fie à mes oreilles. Ah, je l'entends plus. Ah, là, si, je l'entends à droite, là. L'aurais-je bien pointé? Je crois... Mais poussez-vous, monsieur! Je crois que je l'ai bien pointé. Ouais. On entend de plus en plus de sons. Il est là, ouais, ouais, je le vois. Mais attends, je peux directement aller le chercher? Non. Ah non, c'est quand même au-dessus. Ah mais il y a une boss, peut-être qu'avec la boss on peut l'atteindre direct. Ah ouais. Peut-être qu'avec la boss on peut l'atteindre direct. Je pense, perso. Ok, donc, analysons. Ah par contre, c'est évident parce que là il fait même pas jour, donc c'est relou, quoi. Allez, attends, je passe en face. Déjà, il y a un jeton à récupérer, dans un premier temps. Un jeton, je vous rappelle, qui est important pour le pourcentage du jeu. Ah ouais, puis la rampe est là. Usi ma gueule. Voilà. Mais il n'y a rien de dur là, par contre. Mais tu vois, on arrive d'une récupération de morceaux, d'épaves, super dur en fait, par rapport à la rampe, à sauter en face. Un truc super simple. C'est ça, moi, que je trouve bizarre. Ok, donc ensuite, clac, troisième pièce. Oh là. Ça c'est compliqué. Quoique, il me semble que ce passage on peut le reconnaître. Alors attends, un passage. C'est pas par là, par là. Non, non, non. On peut reconnaître aussi par rapport au pointillé. Alors attends, laisse-moi chercher. Faut faire gaffe. Attends, je vais mettre en. Je vais mettre juste collector comme ça, histoire d'avoir moins de logos sur l'écran, que je puisse mieux voir. Tac, 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 tac. Laisse-moi réfléchir. Laissez-moi danser. Laissez-moi. C'est compliqué. Tac, 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 tac. Par ici, peut-être, non. Ah, franchement, je sais pas trop. Pour la simple et... Ah, ouais, mais attends. Ça fait un écart quand même. Donc. Laissez-moi danser. Laissez-moi. On n'est jamais bienvenu ici. Est-ce que ça va par là, par hasard? Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Moi, je sais pas du tout où ça pourrait être. Y a quoi d'autre comme info? Donc, au niveau des quartiers, nous avons... Ah ouais, nous avons un pointillé. Attendez, un pointillé. Donc, un pointillé qui passe. Ça veut dire quoi déjà, les pointillés? Je sais plus ce que ça veut dire. Je vois pas de pointillé en plus, là, dans les zones. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils appellent les pointillés? Parce que là, est-ce que vous voyez des pointillés dans ces endroits-là? Je ne sais pas. On va essayer de reconnaître aussi par rapport aux quartiers qui sont vachement droits. Il y a deux trucs droits. Donc, est-ce qu'il y aurait des trucs droits dans le coin? Des trucs droits dans le coin. Là, ici, c'est... Ouais, c'est un peu droit. C'est un peu droit, on va dire. Et c'est pas obligé. Ouais, c'est pas obligé du tout. Ah, c'est peut-être par là, non? Ouais, c'est peut-être par là.
Route principale, c'est pas par ici par hasard? Attends, j'essaie de reconnaître, c'est pas évident, hein. Ce serait pas par ici? Ah si? Si si si. Ah voilà, les pointillés, c'est là, ouais. Oh, je pense avoir trouvé. Celui-là est pas évident. Mais oui, effectivement, c'est là. Je pense. Oh là là. Oh, ils sont allés le chercher loin, hein. Encore une fois. Hein. Allez, on se dépasse à la station-service. Vous avez vu, là, je vous ai pas coté. On a réfléchi ensemble. Mais c'est. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps, effectivement, de regarder, de chercher et tout. Cherche avec moi, tiens, quand on recherche ces trucs-là. Allez. Donc, je pense qu'on est bien, là. Je pense que c'est par là. Je pense pas m'être trompé. Allez. Donc, dis-moi tout. Allez, dis-moi que c'est là. Dis-moi que c'est là. Ah. Apparemment, y a rien. Attends, je suis sûr que c'est là pourtant, moi. Si, c'est obligé. Faut peut-être prendre la route là. Ouais, nice. Il est là. Hé Qu'est-ce que tu dis? C'est qui le papa? Alors. Magnifique. Bon, maintenant, faut trouver la rampe. Ouais. Trouver la rampe. On va essayer de passer par là. Ah, je suis content. On n'a pas mis trop longtemps pour trouver. Bon, attends, je fais le tour. Ah! Ah bah là, voilà! Ah bah voilà! Magnifique! J'ai trouvé la rampe! On va pouvoir sauter! Suffit de trouver la rampe. Tu vois, c'est pas fou. Hein. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'il fasse jour. Ça m'aiderait beaucoup pour les recherches. Parce que là, ils sont bien gentils de me mettre de nuit, mais bon. Allez, on y va. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Non, 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 non. Et voilà! Ça recommence! Je me casse la teuté. Bon! Eh ben écoutez, nous allons repartir là-bas. On va reprendre cette foutue rampe. Et il faut que j'aille moins vite avec mon Aston Martin parce qu'elle a trop de chevaux. Allez. Elle a trop 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 de chevaux, c'est terrible. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais pointer. Voilà. À peu près. Allez mon gars. Voilà. Calme-toi. Mais non, c'est là-bas. Tu fous de ma gueule? C'est pas là que je dois aller alors. Ah bah attends, je prends une rampe, mais alors que c'est pas du tout là. Ah, c'est peut-être pour trouver autre chose ici. Ouais, donc comment aller là-bas? Ah, on n'y est pas en plus, hein. Ah, c'est une autre rampe. Oula. C'est une autre rampe, effectivement. C'est une autre histoire. Alors attendez, je vais passer par l'arrière, du coup. Peut-être qu'ils ont collé une deuxième rampe. Ah ouais. Peut-être qu'ils en ont collé une autre. Attends, du coup, j'ai perdu le truc. Attendez. J'ai perdu le truc. Ah voilà. Dieu. Le mec qui a du mal à se repérer, tu sais. Ah ouais, donc on monte pas par là. Ah, voilà la bonne rampe. Je pense que c'est la bonne. Oh là 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 là, il y en a de partout. C'est incroyable. Puis en plus, c'est nocturne là. C'est relou. Allez, mais j'en étais sûr qu'il y avait une deuxième rampe, tu vois, genre. J'étais sûr et certain. Putain, par contre, c'est vrai que quand j'ai vu les trésors de grange, les épaves du moins. Même dans le mode solo, j'aurais dû les prendre parce que c'est tellement galère des fois. Nice, c'est bon. Trouvé. Récupération pièce d'épave. Il nous en restera plus qu'une à chercher pour obtenir la Volkswagen, logiquement. Allez, nice. Toutes les pièces pour démarrer votre épave, c'est parfait. Et enfin, une petite dernière pièce effectivement à trouver. Et ça sera la cinquième du coup. Alors, zoom indice. Bim, épinglé sur la carte. Alors, apparemment, grande route, hein. Ah voilà, c'est sûr, grande route. Hein. Alors, grande route avec petite route. moi, je pense. Alors, par contre, c'est pas. Ouais, ça fait une petite ondulation. Ça peut être là. Tac, 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 tac. Laisse-moi réfléchir. Alors, ça fait un petit teuteux. En vrai, c'est dur. En vrai, c'est dur à trouver. Un truc qui fait comme ça. Le problème, c'est que ça peut être n'importe où. C'est ça le gros souci. À quoi je peux me repérer, moi? Ça, peut-être, non? Attends, laisse-moi réfléchir. Il y a un petit teuteux. Il y en a partout, un petit teuteux comme ça. Tu sais, je suis jamais allé là-haut. Est-ce que c'est, y aurait pas un truc là-haut? En sachant que en haut, t'as un truc qui fait. Ah, c'est pas ça? Attends. C'est pas ça le petit teuteux? Ah! Oh my god, mais je suis bon! Mais oui, c'est ça! Mais je suis bon! En vrai, je suis trop bon. Je suis trop bonne, quoi. Allez, je me téléporte ici, on a une station. Je crois que c'est ça. Hein. Non. Bah, au fur et à mesure, je pense qu'en fait, au fur et à mesure que tu recherches, tu fais travailler un petit peu ton cerveau, je pense que tu les trouves plus rapidement les trucs au niveau de la carte. Et puis tu finis par connaître un petit peu
les petites teutes de la carte, quoi. Au bout d'un moment. D'ailleurs, franchement, l'open world et la carte, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est vraiment pas mal, c'est pas con, hein. Moi, j'aime bien, hein. Je trouve qu'on a quand même une sensation de liberté qui est présente. Après, c'est vrai que les missions en elles-mêmes, les missions principales, n'étaient pas toutes folles, mais bon. Voilà, c'est vrai que je trouve que, franchement, au niveau open world, le jeu est plutôt agréable. C'est un bon point du jeu. Eh oui, il n'y a pas tout de mauvais, hein. Forcément. Ok. Donc là, on a un panneau, mais le panneau, on s'en balèque. Où ce qu'on cherche? Oh putain, ça va être là-haut. Ah, c'est bon, effectivement. Donc c'est par ici, on le sait. On va chercher. On va chercher, c'est par là. Oh, il fait nuit. Ah. Effectivement, je suis en train de m'en aller là. Après moult et moult recherches, je pense avoir trouvé quelque chose de relativement intéressant. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Alors pour info, j'ai d'abord parcouru cette route là parce que je me suis dit on n'est pas loin du truc. Et regardez, il y a une petite coupure ici. Alors non, c'est juste une simple rampe, mais pas la bonne rampe du coup. Et là, je pense qu'ici on a quelque chose d'intéressant. Encore une fois, des routes un peu spéciales. Et je me dis qu'on est pile poil en face. Donc est-ce que ce n'est pas ça? Moi, je dis c'est très possible, surtout qu'on va en direction pile poil du logo. Donc est-ce que c'est bien ça? On va voir. Je pense que oui. Voilà. C'est bel et bien ça. J'en étais sûr. Mais j'ai mis longtemps. J'avoue, j'ai mis très longtemps avant de trouver effectivement la solution. Oh mais c'est terrible, j'ai mal à la tête. Oh c'est terrible. Et voilà, complète. Maintenant faut aller au garage pour restaurer l'épave. Ah terrible. Et bien écoutez, direction le garage pour aller restaurer la bite. Je suis content parce que vraiment on a fini notre mission du jour aujourd'hui. Alors pour info, on fera les trois. Voilà. Vous me direz hein, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah écoutez, je ferai que celle-là. On est passé au garage. Et si vous êtes chaud, bah écoutez, avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et ben, je ferai les deux autres avec vous. Voilà, tout simplement. Allez, donc on va au garage, on va rénover cette voiture qu'on a récupérée, Volkswagen Beetle. C'était bien sympa. Où sont les pièces d'épave dont tu m'as parlé? Faut voir. Ouais, t'inquiète. Donc regardez, ma voiture, effectivement, Aston Martin, niveau 394, Aston Martin Vulcan. En vert évidemment. Et ma voiture aussi, la deuxième la plus puissante, c'est la Lamborghini qui est niveau 393, quasi équivalente du coup, mais avec un type course. Donc la Volkswagen Beetle de 63, effectivement faut la rénover un petit peu là. Oh là là, elle est toute pétée. Donc choisir, restaurer en projet course. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ma clé de vitesse, ma vitesse sur la chaussée. Je veux la mettre en... Je la mets en quoi? Ce serait stylé de la mettre en... Merde, en drague. Mais bon, vu qu'il n'y a pas trop d'épreuves de drague, on va la mettre en quoi? On va la mettre en tout terrain ou en course? Je sais pas. En tout terrain, pourquoi pas? Mais ouais, je sais pas. Ouais, je vais quand même la mettre. Quoique, un truc comme ça, on peut la coller en... Ouais, je m'en fous, je vais la mettre en tout terrain. Allez, pour le fun, en tout terrain. C'est n'importe quoi, mais pour le fun. Allez, de toute façon, je sais que j'utiliserai jamais. Hein. J'utiliserai jamais, donc de toute façon, je peux mettre n'importe comment, c'est pas grave. Allez, la voici donc rénovée. Regardez, la Beetle d'origine, attention, la Cox n'est pas qu'un physique. En son temps, la bestiole gagnait aussi des rallyes, je crois. C'est ça? Ah bah oui, bah ça va bien du coup en tout terrain. Ah bah ouais, bah attends, oh magnifique. Bon, admettons maintenant, on veut une Beetle effectivement au goût du jour. On va essayer du coup effectivement de l'améliorer un petit peu, de la booster. Il s'avère que j'ai beaucoup de sous, quoique j'ai que 87 000, c'est étonnant. Tant pis, je rendrai une voiture si besoin. Donc on va améliorer tout ça, on va changer les pièces parce que tout est rouillé, hein. Du coup, on va changer les capots, c'est parti. Mais dames et messieurs, par contre je veux pas tout changer. Apparemment le pare-choc, je peux pas tout changer. Mais regardez là par exemple, tu peux ajouter ça, bon c'est pas obligatoire non plus. Quoique... ouais non, c'est pas obligatoire. Maintenant ce qu'il faut changer, jupe latérale, on va rajouter des trucs sympathiques. Ça c'est cool, c'est stylé. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut rajouter? Rétroviseur. J'aime bien ceux-là, moi les derniers, tiens pourquoi pas. Ça coûte cher hein, de rénover un véhicule pour info, ça c'est sûr. Oh stylé comme ça. Ouais, je vais mettre ça. Allez hop, je mets les trucs les plus chers, on aime bien ça. Donc niveau plaque d'immatriculation, on va mettre quoi? On va mettre un truc... Ouais, je m'en fiche un peu. On va mettre... Ah putain, par contre, c'est pas complet sur cette plaque. Ouais, Osef. Donc là, on va mettre... Allez, Speed Hunter, on s'en fout un peu. Et par contre, je vais mettre effectivement Galax sur la plaque. Donc là, voilà, on se refait un petit peu la bagnole. Le but étant de la refaire à neuf et de la faire un peu plus moderne si possible. Le coffre... Oh, stylé! Ah, tellement stylé, ça! Ah putain, regardez-moi ça. Ouais, je sais pas, c'est particulier. Je sais pas si vous allez aimer, vous. Moi j'aime bien. Alors échappement. Oh là là, oh là là, oh là là, laisse tomber. C'est tellement stylé. Alors plutôt celui-là, tiens. On va changer un petit peu. Ok, j'aime bien. Franchement j'aime bien, il faudra refaire par contre la peinture. Hein. Absolument quoi. Ah, c'est spécial. On va mettre cela. Cela, niveau des feux. Faut remplacer les ailes aussi qui sont un peu cabossées. Ouais. C'est un peu tout cabossé là. Est-ce que je garde les arrondis? J'ai envie de garder les arrondis moi quand même.
Ouais, bien envie de garder le côté arrondi. Là, faut changer aussi, si possible. Là, j'ai déjà changé. Qu'est-ce qu'il faut changer? Parce que là, c'est un peu tout rouillé quand même. On peut mettre un aileron en plus. Oh, c'est spécial l'aileron, hein, t'es pas obligé, hein. Non, il y a déjà un aileron, une sorte d'aileron en plus. Comment je fais pour changer le toit et tout? Parce que là, il y a encore des trucs qui sont. Ah, voilà. J'avais pas tout changé. Donc, je disais que je voulais garder l'arrondi, moi. Ouais, je veux garder vraiment l'arrondi de la bagnole. Donc, ça, je voulais absolument le changer. Il y a encore des pièces rouillées. Il y a des mecs, effectivement, qui l'ont fait. Mais le souci, c'est que regardez, moi, les pièces au centre, je peux pas les changer. Eh, c'est stylé, mais les pièces au centre, je peux pas les changer. Ah, bah, attendez, je peux changer le toit. Ah, voilà, c'est bon! Le mec, c'est bon, je peux changer le toit. J'ai trouvé. Et ben voilà. Maintenant, toute neuve. Avec un truc de la communauté. Alors on peut également changer les jantes, les pneus et tout. Voilà, vous avez vu un petit peu le principe justement pour remettre une voiture à neuf. C'est génial. Par contre, effectivement, pour que je débloque tout ça. Débloquer au niveau 300. C'est pas fait. Le super projet. Niveau 300 aussi. Parce que c'est notre projet. Donc voilà un petit peu. Juste les feux avant, je les ai modifiés. Attends, non, je les avais pas changés. Waouh, tellement classe. Oh, tellement joli. On va choisir. Moi, je vais mettre cela, tiens. Ok. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on peut également mettre personnaliser les performances. Ça, on verra pour améliorer la voiture après. Parce que c'est pas vraiment l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment le visuel, hein, de vous montrer un truc beaucoup plus joli qu'avant. Ouais, le pare-choc avant, faudrait que je le change aussi. Bref, bref, bref. Bah, écoutez, c'est cool. Moi, ça me paraît pas mal, non? Franchement, ça me paraît bien cool. Eh bien, écoutez, messieurs, niveau accessoire, juste. Couleur nitro. Attends, j'ai la suspension pneumatique, fumée des pneus, fumée rose pour le fun, néon, néon rose, c'est marrant, suspension pneumatique, hop hop, klaxon, oh Wayne, ok. Bah écoutez, on va tester, vous voulez quitter le garage? Oui. Et là maintenant, on va pouvoir tester cette voiture maintenant qui est rénovée. On a changé effectivement toute la carrosserie parce qu'elle n'était pas très jolie. Et donc voilà, franchement, yeah! Voilà qui donne quand même quelque chose, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Alors, faut que je change effectivement un petit peu le pare-choc avant. Ouais, oui, c'est vrai. Mais franchement, c'est stylé. Il y a quand même pas à dire, quoi. Bon. Ah ouais, oh putain, la fumée rose, regardez. Oh la vache. Ah ouais, j'avais pas capté, c'était aussi. Aussi sincère, quoi. Aussi honnête. Aussi voyant, disons. Allez, bah écoutez, franchement, je la trouve superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, je la trouve vraiment. Carrément superbe. Donc vous aurez les résultats du coup en miniature. Ce sera ça la miniature. J'espère les amis que ça vous aura plu en tout cas cette première vidéo sur les récupérations des épaves. Un grand merci à tous. Un petit pouce bleu vraiment ça vous a plu. Alors là c'est vrai qu'elle est en performance 100 donc elle est pas très rapide et tout. Mais en tout cas c'est bien de les récupérer voilà pour, bah, pour compléter tout simplement le jeu. Voilà et bien écoutez merci à tous. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.